I'm being serious. You look so good in my bed, baby, don't think you're serious. I've been building my throne and I did it alone. If you were curious. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne soirée. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation assez spéciale, au niveau de laquelle on va pouvoir intégrer le mode Night Shift directement sur nos PC et nos Mac. Un mode bien évidemment disponible sur l'iPhone à partir de la version 10 ou 9, je ne me rappelle même pas. Et c'est une technologie inventée par Apple qui permet tout simplement de pouvoir faire jaunir un petit peu l'écran de l'appareil de façon à ce que vous puissiez, de 1, préserver vos yeux, et deuxièmement, pouvoir bien évidemment économiser de la batterie. Donc ceci va être désormais disponible directement sur vos ordinateurs. Je vous mettrai un lien pour télécharger l'application. Sinon, vous pouvez m'envoyer des messages sur la page Facebook ou directement sur YouTube pour que je puisse vous envoyer le logiciel ou bien l'utilitaire qui fait quelques mégaoctets, pas plus. Donc, l'installation est très rapide, très simple. Vous aurez une interface qui va ressembler à celle-là. Une interface qui vous permet de configurer, bien évidemment, la date de départ du mode, si on peut l'appeler comme ça. C'est le même principe que sur les appareils iDevice, donc iPhone ou iPad, et bien évidemment, ceci va se déclencher automatiquement à l'heure définie. Sinon, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez en fait, pendant la soirée, tout simplement accéder à l'application et puis de pouvoir bien évidemment sélectionner manuellement le mode de Night Shift que vous souhaitez activer. Vous pouvez en fait fuir à gauche, à droite, faire des tests de performance, etc. Vous pouvez même changer en fait la couleur. Moi, par défaut, j'ai laissé le jaune qui correspond parfaitement à mes attentes et enfin une couleur avec laquelle j'ai l'habitude avec, bien évidemment, les appareils Apple. Donc, ce n'est pas très flagrant là, ni très parlant parce que je suis en train d'enregistrer l'écran de l'appareil. Ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement passer, on va dire, un enregistrement de l'écran de mon ordinateur avec mon iPhone pour que je puisse vous montrer de quoi il s'agit, même si je sais que vous savez tous et toutes de quoi il s'agit. Donc, à tout de suite et bien évidemment, avant d'oublier, cette vidéo est dédiée à mon ami Elfetwaki. Voilà, donc là, on a en fait un écran classique, normal, donc avec la couleur ou bien le degré de contraste proposé par Windows. Si vous accédez à l'application, vous pouvez, comme je disais, configurer l'heure de départ du mode. Et puis manuellement, je ne sais pas si c'est très parlant pour vous, si c'est clair, mais je crois que oui. Vous voyez que l'écran devient jaune. Et ceci, comme je disais tout à l'heure, vous permettra non seulement de préserver vos yeux, hein, parce que c'est, on va dire, un bien qui est très nécessaire pour nous, hein, dans la vie quotidienne, mais également de préserver la batterie de votre ordinateur. Donc, comme je disais, si vous souhaitez avoir le logiciel directement, faites-moi des messages, je vous répondrai volontiers. Des questions, des propositions et des remarques, j'en suis preneur. Et moi de ma part, il ne me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter une très bonne soirée. À très bientôt. Bye bye. You look so good in my bed, baby, don't think you're serious. I've been building my throne and I did it alone. If you were curious.